La trêve hivernale sur gazon à peine sifflée, durant deux mois, c'est le hockey indoor qui reprend ses droits. Sur un terrain plus petit, une balle moins lourde, des goals plus étroits, le hockey indoor rime avec spectacle où rapidité et technique ne forment plus qu'un. En hiver, souvent à l'extérieur, on n'a plus l'occasion de s'entraîner. Donc les clubs vont s'entraîner à l'intérieur. Et je crois que pour la technique aujourd'hui du hockey, pour les prises de balles, les stoppings et les push et autres choses techniques, c'est important de pouvoir s'entraîner en salle. Certains clubs développent une véritable culture de la salle. Le Racing en fait partie et domine la discipline depuis plus de 4 saisons. Cette année encore, ils seront les ténors à battre. Ils ont une équipe extérieure, et ils font le nécessaire pour avoir une équipe compétitive intérieure. Et bon, c'est pour ça aussi, à un moment donné, quand on a une politique et on la suit et on fait tout en sorte pour avoir une équipe compétitive l'hiver, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils dominent le championnat. Seul petit bémol, certains grands joueurs de notre championnat extérieur font l'impasse sur cette compétition, pas comme les autres, pour cause de repos bien mérité ou session d'examen à ne pas manquer. Au rayon des nouveautés, la principale sera le nombre de joueurs sur le terrain passé de 6 à 5, un changement qui rend le hockey indoor encore plus spectaculaire et indécis. Au départ, ce sera peut-être un peu brouillon. Il faudra beaucoup courir, jouer avec les poutres, jouer d'un cercle vers un autre. Il y aura sans doute beaucoup de duels, beaucoup de déplacements, balles à la crosse, mais je suis convaincu qu'avec le temps et l'évolution de la saison, il y aura de plus en plus de structure dans le jeu et que le spectacle sera au rendez-vous. Et c'est parti pour 79 jours de hockey indoor. Le premier grand choc bruxellois lui aura lieu vendredi prochain. Un certain Racing des Rings comme cadeau de Saint-Nicolas.